Vous avez aujourd'hui sans doute une journée très chargée, mais en tant que journaliste, je dois vous demander comment vous évaluez les derniers événements au Haut-Karabakh. C'est une tragédie. Nous sommes très inquiets. Parce que l'Azerbaïdjan, l'Arménie, le Haut-Karabakh, ce sont des territoires où vivent des personnes qui ne nous sont pas étrangers. Il suffit de dire qu'environ 2 millions d'Azéris et plus de 2 millions d'Arméniens vivent sur le grand territoire de la Russie. Un grand nombre de citoyens russes entretiennent d'étroites relations amicales et même familiales avec ces deux républiques. Bien sûr, c'est une immense tragédie. Des gens meurent, les deux côtés subissent de lourdes pertes. Nous espérons que ce conflit prendra fin dans un avenir très proche, mais il n'est pas entièrement résolu. Et apparemment, il y a encore un grand chemin à parcourir, et quoi qu'il en soit, nous appelons, et je tiens à le noter encore une fois, nous appelons à l'instauration d'un cessez-le-feu, et ce, le plus rapidement possible. Voilà en général ce que je voudrais dire. Comme vous le savez, l'Arménie est membre de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, l'OTSC. Nous avons certaines obligations envers l'Arménie en vertu de ce traité, mais les hostilités, à notre grand regret, se poursuivent toujours et cela ne se passe pas en territoire arménien. Quant au respect par la Russie de ses obligations en vertu de ce traité, nous les avons toujours remplies. Nous les remplissons et nous continuerons de les remplir. Comme vous le savez, je suis en contact permanent avec le Premier ministre arménien. Et les dirigeants arméniens n'ont aucun doute quant au respect par la Russie de ses obligations dans le cadre du traité. Au Kyrgyzstan, une situation politique interne très compliquée s'est une fois de plus développée dans l'histoire récente du pays. Qu'en pensez-vous? Que puis-je dire à ce sujet? Des élections parlementaires se sont tenues récemment. Par ailleurs, il a été reconnu non seulement par les observateurs internationaux, mais aussi par les représentants de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, qu'elle s'était déroulée de manière démocratique et conforme aux normes. Ce qui s'est passé ensuite, bien sûr, nous inquiète. Nous espérons que tout se déroulera de manière pacifique. Nous espérons qu'un processus politique démocratique normal sera rétabli. Et je le répète encore une fois, cela doit avoir lieu le plus rapidement possible. Nous sommes en contact avec tous les participants, avec toutes les parties à ce conflit, et je veux espérer qu'après la normalisation de la situation politique interne, nous continuerons à mettre en œuvre tous nos projets avec le Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan est membre de l'Union économique eurasiatique et nous avons beaucoup de travail à faire conjointement. Nous prêtons au Kyrgyzstan une aide significative quant à l'allocation des fonds de crédit et quant au processus d'entrée dans l'espace de l'Union économique eurasiatique. Dans ce cadre, il existe de nombreuses questions liées aux douanes, aux contrôles phytosanitaires, etc., etc. Nous allouons des ressources importantes pour que le Kyrgyzstan soit un membre à part entière, jouissant de tous les droits de cette organisation. Et je le répète encore une fois, nous espérons que tous les processus politiques internes auxquels nous assistons aujourd'hui prendront fin et se termineront rapidement sans aucune perte. J'ai quelques questions sur les événements de ces dernières semaines. Il y a 10 jours, vous avez lancé un appel aux États-Unis pour les exhorter à reprendre la coopération dans le domaine de la sécurité de l'information. Avez-vous reçu une quelconque réponse? Non, malheureusement. De même que pour tout un nombre de nos autres initiatives à ce sujet, qui est très important à mon avis, nous n'avons pas reçu de réponse, bien que des accusations soient toujours proférées quant à notre activité trop intense, prétendument trop intense, dans le domaine de l'information, ainsi que des accusations liées à notre ingérence dans les élections là-bas, et ainsi de suite, sans aucun fondement. Le monde entier observe maintenant la dernière étape de la course présidentielle américaine, et bien sûr, beaucoup de choses se passent là-bas. Certaines choses auraient été inimaginables dans le passé, mais ces dernières années, il y a quelque chose qui ne change pas. Il mentionne constamment votre nom. De plus, lors des débats récents qui ont suscité un tel émoi, même le candidat Biden a dit du candidat Trump qu'il était le caniche de Poutine. Considérant qu'il parle de vous tout le temps, je voudrais poser une question à laquelle vous ne voudriez probablement pas répondre, mais néanmoins je la poserai quand même. Dans cette course présidentielle, vous sentez-vous plus proche des positions de Trump ou de Biden?
C'est aux électeurs de chaque pays d'évaluer la position des candidats à la présidence, même s'il s'agit de la grande puissance que sont, disons-le ouvertement, les États-Unis. En l'occurrence, c'est aux Américains de le faire. Nous ne sommes que des observateurs, nous n'intervenons pas. Quant à la brutalité mutuelle ou les insultes directes que vous avez évoquées, que dire ? Cela reflète leur niveau de culture politique ou son absence. Mais je le répète, nous ne nous immisçons pas dans cette affaire. Tout cela est motivé par des processus politiques internes, des questions de politiques intérieures et des problèmes inhérents aux États-Unis. D'ailleurs, quand quelqu'un essaie d'humilier ou insulter le président en exercice, en l'occurrence dans le contexte que vous avez évoqué, on nous glorifie d'une certaine manière en estimant que notre influence et notre puissance sont énormes. Dans une certaine mesure, cela, comme on dit, fait notre jeu. Mais je le répète, cela ne nous regarde pas. Qu'ils le gèrent eux-mêmes de la manière qu'ils trouvent appropriée dans la situation actuelle. Quant aux préférences, que peut-on dire ? Nous savons que le président en exercice Donald Trump s'est exprimé à maintes reprises en faveur du développement des relations américano-russes. Certes, nous apprécions beaucoup cela. Dès le début, quand il en parlait dans le premier acte de la course à la Maison-Blanche, nous y avons fait attention. Mais il faut examiner les événements de ces dernières années d'une manière objective. Effectivement, il y a eu beaucoup de progrès dans nos relations bilatérales. Il faut le dire. Je ne vais pas citer l'ensemble des mesures positives prises dans le cadre du développement des relations russo-américaines, mais elles existent. Malgré tout, les intentions exprimées auparavant par le président Trump n'ont pas été pleinement mises en œuvre. J'estime que cela est lié, dans une large mesure, au consensus bipartisan sur la nécessité de faire barrage à la Russie et d'entraver le développement de notre pays. Cette position s'applique dans tous les secteurs. Il s'agit de la dissuasion tout azimut. Et c'est la première chose. Et bien évidemment, à notre sens, cela constitue une entrave pour l'administration en exercice. En outre, la présidence de Trump est marquée par le plus grand nombre de restrictions et de limitations. 46 décisions ont été prises concernant l'imposition de nouvelles sanctions ou l'extension des sanctions existantes. L'administration Trump s'est retirée du traité de force nucléaire à portée intermédiaire. C'est une décision très grave. Après l'année 2002, quand sous l'administration Bush, les États-Unis se sont retirés du traité sur les missiles balistiques, l'ABM, c'est la deuxième décision d'une telle importance. À mon avis, c'est très dangereux pour la stabilité et la sécurité internationale du monde entier. Et maintenant, l'administration Trump a annoncé le début du retrait du traité ciel ouvert. On ne peut pas ne pas être très préoccupé. Nombre de projets communs, modestes, mais quand même, n'ont pas été mis en œuvre. Il s'agit de la mise en place d'un conseil d'affaires, d'un conseil d'experts, etc., etc. Et pourtant, je le répète une fois de plus, la présidence de Trump a été marquée par une hausse des échanges commerciaux. Il s'agit d'une croissance considérable, malgré toutes les restrictions et même la pandémie. Il y a eu probablement des ajustements face à la pandémie, mais la tendance générale est à l'augmentation des échanges. Et c'est bien parce que cela implique des emplois, de l'activité commerciale, etc., etc. Nous avons coopéré d'une manière assez efficace sur la stabilisation du marché mondial de l'énergie. Bien évidemment, les États-Unis ont intérêt à maintenir une certaine stabilité, à assurer le fonctionnement de leur compagnie pétrolière, et nous sommes effectivement parvenus ensemble à un bon résultat. Vous voyez, il y a des progrès et il y a des problèmes. Quant au candidat du Parti démocrate, que dire ? Nous entendons un discours anti-russe assez ferme. Malheureusement, nous y sommes déjà habitués. Mais il y a des choses à remarquer. Tout d'abord, traditionnellement, le Parti démocrate partage plutôt les valeurs dites libérales. Ces idées sont plus proches de celles des sociaux-démocrates. Si on établit un parallèle avec l'Europe,
Et c'est dans le milieu des sociaux-démocrates qu'est né à l'époque le Parti communiste. Pendant presque 20 ans, 18 ans, j'ai été membre du Parti communiste de l'URSS. À vrai dire, j'étais un simple membre du parti, mais d'une manière générale, on peut dire que j'étais assez engagé. J'apprécie toujours de nombreuses valeurs de gauche. L'égalité, la fraternité, qu'y a-t-il de mal? En effet, cela ressemble au christianisme. Il est difficile de les mettre en pratique, mais elles restent quand même très attrayantes. Ainsi, sur le plan idéologique, il y a une sorte de base pour établir des contacts avec le représentant du Parti démocrate. Comme on le sait, aux États-Unis, les Afro-Américains constituent une des bases électorales du Parti démocrate. Une base stable. C'est bien connu. Je ne fais aucune découverte. Mais l'URSS a toujours soutenu la lutte des Afro-Américains pour leurs droits légitimes. Dans les années 1930, l'Internationale communiste écrivait que les représentants de la classe ouvrière noire et les ouvriers blancs avaient le même ennemi, l'impérialisme et le capitalisme, en soulignant que ce groupe pouvait être le plus efficace dans la lutte révolutionnaire dans l'avenir. Et ici, il y a quelque chose qui, dans une large mesure, à défaut de nous réunir et de nous rapprocher, du moins, constitue nos valeurs communes. Je n'hésite pas à le dire, c'est ça. Si vous vous souvenez, vous êtes jeune, mais les gens de ma génération s'en souviennent. Il y a eu un moment où partout en URSS, il y avait de grands portraits d'Angela Davis, membre du Parti communiste américain et militante pour les droits des Afro-Américains. Et c'est pour ça qu'on estime qu'on peut en parler et que cela constitue une certaine base pour notre compréhension mutuelle. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, le candidat Joe Biden a dit en public qu'il était prêt à prolonger le traité New Start ou à conclure un nouveau traité de réduction des armes stratégiques offensives. Et cela constituerait un élément très important de notre potentielle coopération dans l'avenir. C'est pour ça que je voudrais répéter l'idée que j'ai déjà évoquée à maintes reprises. Nous allons coopérer avec le président américain, quel qu'il soit, avec celui qui gagnera la confiance du peuple américain.